Ce samedi 1er juillet, Fort Boyard a fait son grand retour sur France 2 avec une première équipe emmenée par Nathalie Péchala. La danseuse sur glace a épaté son équipe et Olivier Mine lors de l'épreuve de la cloche. Elle en a même redemandé. Une première dans l'histoire du jeu. Fort Boyard est de retour, et ça promet. Le célèbre jeu de France 2 revient ce samedi 1er juillet 2023 à 21h10 pour sa 34e saison sous-titrée Les nouveaux atouts du Père Fora. Toujours animée par Olivier Mine, l'émission verra le vieil homme redoubler d'efforts pour protéger son trésor en modifiant les règles du jeu à chaque numéro. Pour cette première émission, l'atout sera celui des cadeaux empoisonnés, réservant de nombreux pièges aux participants. Si est Nathalie Péchala, championne de danse sur glace et épouse de Jean Dujardin, qui dirigera l'équipe au profit de l'association Premier de Cordée. Elle sera accompagnée de l'ancien nageur Frédéric Bousquet, de la chanteuse Anne Silla, de l'humoriste Paul de Saint-Cernin de quelle époque, du rugbyman Johan Huget et de l'ancien footballeur Robert Pires. Fort Boyard 2023, Nathalie Péchala épate son équipe dans l'épreuve de la cloche comme le veut la tradition de l'émission, les candidats devront faire preuve de sang-froid. Anne Silla, gagnante de The Voice All Star en 2021 sur TF1, et le rugbyman Johan Huget affronteront l'épreuve de la cabine abandonnée, comme vous l'a révélé Télé Loisirs en exclusivité. Une autre épreuve emblématique animée par Olivier Mine sera au rendez-vous, la cloche. Et si est Nathalie Péchala qui se lance dans l'aventure. La danseuse sur glace s'est montrée immédiatement à l'aise et a rapidement décroché le mot code pour récupérer l'indice. On se souvient des cris de Benoît Dubois et d'Elsa Esnou qui avaient échoué dans cette épreuve. Mais pour Nathalie, cela a été d'une facilité déconcertante, créant même un fait inédit dans l'histoire de Fort Boyard. Après avoir réussi son épreuve, elle a demandé à continuer. Olivier Mine très surpris par la demande inédite de Nathalie Péchala dans Fort Boyard, « Si y est-il la première fois que je vois quelqu'un demander ça encore ?»« Continuez », a-t-elle demandé à ses coéquipiers qui la balançaient sur la corde. Olivier Mine, mort de rire et très surpris par la décontraction de la championne, a avoué, « Si est-il la première fois que je vois quelqu'un demander autant à se faire balancer sur la cloche ?» Cette nouvelle saison de Fort Boyard s'annonce donc pleine de rebondissements, avec des épreuves emblématiques et des candidats prêts à relever les défis. Les téléspectateurs pourront s'attendre à des moments d'humour, de suspense et de frissons lors de chaque épisode.